Hey yo, salutations family, moi c'est Vimaoite, content en tout cas de vous revoir dans cette vidéo. Et ben, dans celle-ci, nous parlerons de la motivation, de la niaque, de la détermination, comment mieux conserver toutes ces choses pour ne pas perdre le nord et tenir bon tout au long de ses études. On se retrouve juste après, on va dire, le jingle. Let's fucking go! Eh bien, écoutez, famille, hein, je pense que c'est assez dur, hein, c'est assez dur déjà de tenir bon hein, dans ses études. Il y a beaucoup plus de personnes hein, qui lâchent, on va dire, l'affaire au bout déjà de 2-3 ans, soit au bout de quelques mois déjà. Pourquoi? Parce que le remise en question, le doute, le manque de confiance persiste toujours. Eh bien, écoutez, c'est d'autant plus difficile d'étudier à l'étranger que d'étudier, hein, j'ai envie de dire, hein, dans son pays natal, en fait. Eh bien, écoutez, encore faut-il prendre en compte, pour ceux-là qui se retrouvent ici en Russie, le facteur froid, le réalité diverse, on va dire, hein, assez peu commode qu'on retrouve ici et que l'on rencontre ici. Il faut prendre en compte également la barrière de la langue. Il faut prendre en compte tellement, alors tellement de facteurs. Alors c'est très très difficile de rester focus, c'est très très difficile de rester concentré, mais grâce à cette vidéo, vous aurez au moins une recharge, soit un téléchargement de 50%, on va dire, hein, de parole, la niaque que vous mettrez, on va dire, à votre disposition pour booster, alors booster votre envie, votre volonté de poursuivre vos études. Eh ben, écoutez, famille, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile du tout, hein. Pas facile du tout. Encore faut-il avoir des nerfs solides, encore faut-il tenir bon. Alors tenir bon. Moi, je viens vers vous pour vous apporter également mon expérience personnelle, quand bien même ce sera un tout petit peu remis en question par beaucoup, alors beaucoup de personnes. Eh ben, écoutez, cher ami, je sais que c'est difficile. Déjà quitter son pays pour, on va dire, un pays d'accueil, pour l'étranger. Et pour étudier dans ces buts-là, alors on s'est fixé un objectif. On s'est fixé un objectif, un but à atteindre. Alors la première de motivation possible doit impérativement être l'obtention de votre diplôme, en fait. À chaque fois, vous devriez, on va dire, passer ça et mettre ça en première position. En première position, à chaque fois, à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous n'étudiez pas pour le compte d'une personne inerte, d'une personne autre que vous-même. Certes, il y a certaines personnes qui se disent, voilà, c'est à cause de parents que je me suis retrouvé dans telle ou telle autre situation. J'étudie pour eux, pour les honorer. Ensuite, je ferai autre chose. Mais encore faut-il savoir que les études, c'est personnel, on va dire, c'est personnel. C'est une énorme richesse qu'on ne peut pas vous l'enlever, qu'on ne peut vraiment pas vous l'enlever. En fait, moi, chaque fois, quand j'entendais, j'écoutais, hein, mon père me prodiguait quelques conseils, on va dire, par rapport à la vie, par rapport aux études, par rapport au boulot, il ne cessait de répéter la même et seule phrase. La grande richesse que moi je pourrais vous léguer, que moi je pourrais en tout cas vous laisser, on va dire, après mon départ, ce n'est que et ce ne sont que les études. Le grand héritage, on va dire, que le parent, un parent, on va dire, hein, peut léguer, on va dire, à son enfant. Ce n'est que les études. Ce n'est que les études, en fait. Et les études, c'est quelque chose de personnel. Je ne vous apprends rien. Je n'aimerais pas également refaire l'histoire, soit vous faire la morale. Loin de moi cette prétention et loin de moi cette idée. Simplement, vous mettre, on va dire, hein, contre un fait accompli carrément. Pourquoi? Parce que je suis un observateur et je ne cesse de le dire parce que j'observe. Il y a tellement, alors tellement de personnes, une fois arrivées ici en Russie, vu les difficultés, vu tout ce qu'il a rencontré, il s'est dit, à quoi bon continuer en fait? À quoi bon continuer? Autant me trouver un boulot et puis m'apesantir sur ça et laisser couler quoi. Le temps, voilà, de m'organiser, je vais bondir, on va dire, dans le même sens, mais c'est jamais le cas, c'est jamais le cas. En fait, je sais que moi je vous demanderai simplement de vous remettre en question, de voir un tout petit peu votre parcours, de revoir tout ce que vous avez fait pour arriver jusque
au niveau, enfin, dans que vous avez en fait. La situation dans laquelle vous vous retrouvez, je l'ignore en fait. Mais l'essentiel pour vous est de tenir simplement bon, pour vous ainsi que pour votre famille tout simplement. Garantir son futur, oui, certainement, passe par les études. Il y a beaucoup plus de personnes diront le contraire. Et ben, écoute, hein, tous les millionnaires également ne sont pas étudiants. Mais c'est un cas, un tout, ce sont des cas isolés en fait. Ils ont des cas isolés. C'est deux personnes, on va dire, sur cinq qui arrivent, on va dire, à ces, on va dire, à sortir hein, la tête de l'eau sans pour autant passer par cette voie-là. Mais pour garantir son futur, son avenir, impérativement, il va vous falloir passer par les études. Et vous qui êtes déjà là-dedans, ne lâchez absolument rien. Peu importe soit la difficulté. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est le but, enfin dire. Le but, c'est quoi? C'est le diplôme. La deuxième des choses, moi, je pourrais dire, hein, c'est simplement la garantie. Hein, la garantie qu'on a, une fois fini, une fois ses objectifs atteints, on peut facilement accéder au poste viable. La troisième des choses, on va dire, c'est ne pas simplement pour se laisser aller non plus, mais pour ne pas tout simplement se retrouver dans la rue, soit faire certains boulots dégradants. Quand bien même en Europe, on n'a pas trop souvent le choix. Enfin, le migrant, les Africains surtout n'ont pas trop souvent le choix parce qu'il y a une chose sûre et que pour être accepté en tant que noir, pour tous ceux-là qui ont la couleur de peau, on va dire, un peu foncée, eh ben écoutez, il faut faire deux fois, voire quatre fois plus le blanc, quatre fois plus le russe pour être accepté malheureusement. Alors avec son diplôme, avec ses capacités universitaires, on peut facilement c'est dégoter quelque chose, on va dire, de meilleur, un boulot assez honorifique, un boulot qui vous anoblit carrément. D'un point A à un point B, vous aurez la facilité de pouvoir tout simplement vous en sortir, on va dire. Vous aurez le trousseau, on va dire, de clés simplement pour, voilà quoi, pour vous libérer un tout petit peu de cette, j'ai envie de dire, de cette procrastination, en fait, family. Donc, voilà, j'ai simplement voulu amener quelque chose de plus dans votre chef à tous hein, et par ricochet dans mon chef à moi, personnel, donc pour essayer un tout petit peu de toujours me booster, d'avoir toujours, on va dire, la niaque et puis de m'investir à fond concernant les études, par ricochet, vous bien sûr. Et raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas réaliser cette vidéo. Et c'est une vidéo également dont m'a proposé Zap, écoute, si tu passeras par là, big salutation à toi, big dédicace à toi, Zap carrément. Et merci pour le tuyau, frère. Eh ben, je vous suis vraiment reconnaissant pour tout. Alors, pour tout, je vais en profiter hein, pour lancer, on va dire, et placer simplement ces messages. Merci à vous hein, du soutien, de tout ce que vous m'apportez. Family, ça me rend fier et je suis très, très heureux de vous avoir dans la communauté. Aidez-moi à la grandir puisque les statistiques, bien sûr, avancent, évoluent et quadruplent de jour en jour, puisque c'est grâce à vous, on va dire. C'est grâce à vous. C'est grâce réellement à vous. Et je vous adresse à tous mes remerciements. Eh ben, écoutez, famille, moi, c'est Vimawete. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Portez-vous bien. Ciao. Ben, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien. Vos études à la première position, le reste après. Salut. Thank you.